Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 14 janvier 2022. Il est 21h32. Je suis ravi de vous accueillir en compagnie de Léo Portal, qui est là. Bonsoir à tous. Et j'aurais dû mettre mon masque la dernière fois, puisque Léo m'a visiblement refilé son Covid depuis sa lointaine province. Mais ce n'est pas grave, je suis là avec vous. J'espère que ça ne s'entend pas trop et j'espère que j'aurai l'esprit pas trop embrumé. Ça ne m'empêchera pas de livrer une émission satisfaisante, n'est-ce pas, Léo euh, Je ne sais quoi répondre, sinon oui. Ouais. Euh, je me suis chargé de l'y prendre, en tout cas, donc ça devrait aller. A priori, moi, ça, je vis ça juste comme un gros rhume, mais bon, ça, ça doit être au micron. Euh, je suis ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes visiblement plus nombreux que d'habitude en ce début de live. Je vous en remercie. Je suis ravi que vous soyez là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu dès maintenant sous cette émission pour aider à son référencement. N'hésitez pas à... Partagez cette émission, euh, soit maintenant, soit lorsqu'elle sera terminée, soit si vous la voyez en replay. Ça nous fait toujours plaisir et ça permet de ramener plus de monde à la cause de l'historonomie que vous pouvez soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui est sous cette vidéo euh, dans les euh, souscriptions. J'ai vu que le depuis la dernière fois, vous avez les, les nouveaux badges qui ont été faits. J'en avais un petit peu parlé, mais effectivement, ce sont les badges définitifs. Ils sont très jolis, n'est-ce pas Ils vous permettent de signaler que vous êtes prioritaire pour les questions. Euh... Bonne nouvelle les premiers numéros de la structure de l'histoire qui m'ont été commandés euh, ont commencé à arriver à leurs heureux destinataires qui me l'ont signalé. J'en suis très content. Et euh, si vous souhaitez le commander, euh, allez sur euh, poser la question sur gmail.com qui est l'adresse de la chaîne, et je vous répondrai euh, rapidement. D'ailleurs, là-dessus, on reçoit des, de, 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 de très beaux témoignages les gens qui euh, qui éclatent en sanglots en recevant le livre et tout. Enfin, c'est assez beau. Ah oui, c'est. donc je n'arriverai pas à rebondir sur les blagues ce soir. Je suis désolé. Il va falloir que tu, que tu fasses le rebondissement toi-même. Euh. Voilà, voilà. Euh, bon, mais c'est une très belle émission. Bon, non, je suis quand ouais, même à allez, Bonne soirée. <laughs> allez, salut. Voilà. Donc, euh, voilà. Euh, c'est les choses, les choses avancent en tout cas petit à petit. On arrive à se mettre en ordre, et ça, c'est euh, c'est assez sympathique. Euh, ce soir, euh, avant de parler du sujet de l'émission, petit point d'actualité. Euh, les, euh, je ne sais pas si vous avez suivi euh, autour de l'Ukraine euh, les négociations, comme on pouvait s'y attendre, n'ont rien donné. Il euh, y a eu une cyberattaque cette nuit qui a menacé euh, les Ukrainiens, notamment de vol de données, mais semble-t-il, ça n'est pas arrivé. Mais apparemment, le but c'est plutôt de menacer l'ensemble de la population ukrainienne euh, sur le ton soumettez-vous, vous allez en prendre bien la gueule. Et euh, aujourd'hui, les Américains ont déclaré que une, une personnalité haute placée aurait déclaré à CNN, je crois, qu'il euh, y avait une, vraisemblablement une opération sous fausse bannière qui se préparait pour légitimer une intervention en, dans l'est de l'Ukraine, mais on n'en sait pas beaucoup plus, donc on ne sait pas trop ce que, ce que vaut l'information et ce que c'est en détail, mais ça serait pas surprenant maintenant, puisque visiblement, il n'y a, euh, a pas de... de, de les négociations n'ont rien donné. On s'y attendait de toute façon. Moi, je disais un copain, ça me faisait penser à... Quand je joue à Europa Universalis ou des jeux comme ça, vous savez, que vous savez que vous allez commencer une guerre risquée et qu'à tout hasard, vous demandez tout votre catalogue de demandes énormes que vous espérez obtenir euh, au cas où il y aurait une infime chance que les mecs euh, vous la donnent sans combattre alors que vous savez que ça ne marchera pas. Moi, c'est ça que ça m'évoque, les, les demandes de la Russie du genre revenez aux frontières de 97 à l'OTAN. Euh, bon. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner dans les jours et les semaines qui viennent, euh, sachant qu'il y a des, des groupes de troupes qui, qui arrivent de l'Est, ça continue à, à grossir. Je vous rappelle que vous pouvez le suivre quotidiennement, ça, sur le site Live View App, qui est très intéressant. Il euh, y avait aussi les est pour parler en Chine euh, entre la Chine et l'Inde à propos du l'Himalaya et euh, c'est pour parler en eux aussi foiré donc ça empire un petit peu partout euh, mais j'ai envie de dire que c'était attendu et que c'était normal j'ai partagé euh, euh, je sais plus si je l'ai fait sur Twitter mais je l'ai partagé dans la guerre de Xi en tout cas la page, la page de Facebook de veille que j'ai sur euh, sur, euh, sur la Chine que je nourris moins qu'à une époque parce que moi bon, je vous parle ici mais de temps en temps j'essaie quand même d'y mettre des trucs et, euh, et où on voit que le pont qu'ils sont en train de construire les Chinois sur le, le, le lac de Pangongso, qui était un des points importants de friction et de cette confrontation qui a en Himalaya et qui dure depuis deux ans, euh, permettra, donnera un avantage considérable à la Chine, puisqu'il lui évitera désormais de faire des détours de 150 km si jamais il y a une nouvelle confrontation avec les Indiens. Donc vraisemblablement, les Chinois continuent de préparer la suite. Voilà, sur ces deux fronts, on en reparlera peut-être après au moment des questions et j'entre dans le vif du sujet, du sujet de ce soir, qui est euh, donc l'idéologie des mondialistes, des élites mondialistes, et, euh, et, et surtout, je voudrais dire, l'idéologie naturelle des élites mondialistes, parce que, comme vous le savez, euh, j'ai tendance à penser que les idéologies, la plupart du temps, ne sont que des rationalisations d'intérêts. Euh, qui sont perçus euh, souvent intuitivement par les populations, les classes sociales, et euh, et donc c'est de ça que je voudrais parler. Quelle quelle est l'idéologie naturelle finalement des élites mondialistes Parce que cette idéologie existe et en fait elle a elle a elle a commencé à apparaître dès le début de l'ère industrielle et elle est apparue Précisément en France. Alors je ne vais pas vous parler de généalogie. Hein, je ne vais pas dire ça vient de là. Je ne vais pas dire les gens d'aujourd'hui euh, sont les descendants de cette pensée. Et cette pensée. Par exemple, ils ont lu, etc. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est l'idéologie naturelle dans le sens où. Euh, véritablement, c'est lié à l'apparition de certaines classes sociales et c'est naturellement leur idéologie parce que naturellement elles sont amenées à penser comme ça. Alors, de quoi est-ce que je parle Parce que ce qui illustre le mieux tout ça, la façon dont ça a été formulé dès le début, c'est les idées de euh, Claude-Henri euh, de Rouvroy de Saint-Simon, qui, euh, qui est né en 1760, mort en 1825. Vous connaissez peut-être le Saint-Simonisme, c'est ça, c'est ce qui vient de ses idées à lui. Euh, alors à ne pas confondre avec le mémorialiste du règne de Louis XIV, hein, Saint-Simon, qui était un cousin éloigné. Euh, euh, le Saint-Simon dont je vous parle a fait une grande partie de sa carrière euh, comme militaire sous l'Ancien Régime. Il s'est battu notamment euh, aux côtés des, des insurgents euh, aux, aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance. Euh, et ensuite, il a été spéculateur sur les biens nationaux pendant la Révolution française. Euh, on dirait aujourd'hui businessman. Enfin, il a commencé à se lancer dans la petite industrie, et euh, donc il a, il a, il a développé euh, jusqu'à sa mort, à partir de 1802, je crois, c'est son premier ouvrage écrit. Il a développé une pensée, euh, une pensée morale, sociale, économique, euh, qui est Considéré aujourd'hui comme se rattachant au socialisme utopique. Euh, c'est comme ça souvent que les communistes l'ont perçu. Hein. Je crois qu'il y a une colonne à Moscou sur laquelle il y a son nom au, au titre des glorieux ancêtres du marxisme-alénisme. Euh, et euh, donc c'est un personnage très important parce qu'en euh, qu en fait, dès, euh, dès son époque, dès ses écrits, on voit que toutes les idées. De, qui agitent aujourd'hui et qui animent euh, les élites mondiales, euh, qu'on trouve encore dans le, ben dans le grand reset de Klaus Schwab, etc. Euh, ces idées étaient déjà là parce qu'elles appartiennent euh, finalement, elles sont l'effet de ce monde industriel qui est apparu et des élites du monde industriel. Euh, ce qui m'a donné l'idée de, de traiter ce sujet ce soir, c'est qu'à euh, propos justement du grand reset, j'ai pu entendre des gens... Dire que euh, les élites mondiales préparaient une espèce de néo-bolchevisme, hein, vous savez, avec cette idée de euh, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Euh, cette idée, donc, que ce serait une espèce de communisme 2.0 euh, parce que ces gens seraient imprégnés d'une marxiste, etc. Et alors qu'il y a quand même un problème, c'est qu'il euh, faudrait qu'on croie que les que toutes les plus grandes entreprises capitalistes du monde, euh, tous les, les GAFAM, euh, tous les gens qui se retrouvent au Forum de Davos, etc., sont des bolcheviques hein, ou des crypto-bolcheviques. Ce qui est quand même assez difficile à, à admettre et à conceptualiser. Hein, L'idée que tous ces gens, qui sont essentiellement des grands entrepreneurs, seraient des communistes au fond. Bon, C'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour l'esprit. Euh, et en fait, le problème des gens qui, comme ça, se réfèrent au marxisme parce qu'ils ne savent pas trop à quoi, c'est justement qu'ils ne connaissent pas euh, Saint-Simon, euh, en général. Enfin, je pense, parce que sinon, ils feraient le rapprochement plutôt avec Saint-Simon. Saint-Simon a émis une doctrine euh, qu'on appelle l'industrialisme et qui est en fait une tentative de conceptualiser ce que devrait être l'ordre social à l'ère industrielle. Euh, et c'est quelque chose qui va assez loin parce que il y a, euh, alors je dirais pas une mystique dans tout ce que dit euh, Saint-Simon, euh, mais il faut savoir que le dernier livre qu'il a écrit de sa vie s'appelait le Nouveau Christianisme. Donc ça s'ancrait quand même dans l'espèce de sentiment religieux, et c'était l'idée de faire une espèce de religion, de religion du progrès en fait. Ce que Auguste Comte, qui a été pendant des années, vous savez, le fondateur du positivisme, qui a été pendant de 1817 à, 1800, à sa mort, je crois, euh, le secrétaire de Saint-Simon, appelé la religion de l'humanité. Euh, alors, quelle est l'idée quelle est de cette... En fait, il y a, y a un, un passage très connu de Saint-Simon que vous connaissez peut-être, euh, vous avez peut-être étudié à l'école, ça faisait partie de ce qu'on apprend en histoire économique, etc. C'est ce, ce passage dans lequel il dit que sont tués du jour au lendemain disparaissaient euh, les 50 plus grands teinturiers les 50 plus grands verriers les 50 plus grands etc et il arrive un total qui fait 3000 personnes c'est-à-dire les 3000 les plus entreprenants les plus aptes dans leur travail etc de producteurs et dit le pays ça en relèverait pas ou il faudrait une génération pour ça et ensuite, il fait un parallèle et il dit, si il perdait euh, euh, les 100 membres les plus importants du clergé français, les 100 membres les plus importants de l'administration, euh, euh, l'héritier du trône, etc., puisqu'on est sous la Restauration, euh, et ben, en gros, ça n'aurait absolument aucun effet. Et donc, en fait, si vous voulez, Saint-Simon, il euh, y a un premier axe de sa pensée qui est véritablement centré sur la production et le fait que euh, ce qui est important, ce sont les producteurs dans une société, et que euh, les producteurs, donc les entrepreneurs, hein, ceux qui produisent quelque chose, qu'il oppose aux oisifs de l'ancien régime, selon lui, les aristocrates d'ancien régime étaient les oisifs, ce qu'il appelle la guerre des abeilles contre les frelons, les abeilles qui produisent les frelons qui ne font que consommer. Et donc l'idée de, 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 de Saint-Simon, c'est... Ce qui est important, c'est ceux qui produisent, ceux qui créent de la valeur, ceux qui créent de la richesse, ceux qui accroissent la civilisation par leur, euh, leur production. Et, euh, et donc, les vraies élites, c'est eux. C'est ces gens-là. Et donc, c'est à eux de diriger. Par la, la compétence, parce que c'est eux qui savent, en fait. Bon. Donc, si vous voulez, chez Saint-Simon, apparaît, apparaît l'idée que c'est aux élites économiques de diriger que ce sont des gens compétents et des techniciens qui doivent diriger, donc les, vous avez les prémices de la technocratie là-dedans. Et vous avez les prémices d'une certaine élitisme aussi dedans, mais un élitisme du mérite. D'accord euh... Ensuite, euh... il y a euh, l'idée que euh, le... il faut, la société doit innover. D'accord Les créateurs sont ceux qui innovent, sont ceux qui changent. Je crois même que le mot d'innovation commence à apparaître sous la plume de Saint-Simon. C'est Saint-Simon qui, le premier, a employé le terme d'avant-garde pour parler des gens qui sont les premiers à créer quelque chose, hein, qui est un vocabulaire qu'il empruntait à l'époque où il était dans l'armée. C'est lui qui a créé ce sens euh, civil et, et métaphorique d'avant-garde qui avant n'était utilisé qu'en matière militaire. C'est sous sa plume que ça apparaît. Et, euh... <coughs> et donc, ce que dit Saint-Simon c'est que ce, 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 ce règne en fait, de, de la compétence et des techniciens doit être ordonné à l'enrichissement de la classe la plus pauvre de la société à son élévation civilisationnelle. D'accord Il est aussi considéré, Saint-Simon, comme un des pères de la sociologie par un des grands fondateurs de la science sociologique qui est Émile Durkheim au cours du XIXe siècle. Donc, si vous voulez... Il euh, y a euh, dans l'idée le, 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 de Saint-Simon, on retrouve euh, l'idée aussi que, en fait, la société donc doit être une société gérée industrielle. Ce sont les élites industrielles qui doivent diriger la société. Euh, je crois même que le mot industriel aussi, c'est un truc qui est créé par Saint-Simon, plus ou moins, et que euh, que la, la société doit être gérée comme une... Un, alors, lui parle d'un atelier, hein, euh, comme une manufacture, hein, euh, on dirait aujourd'hui comme une entreprise. Donc, cette idée que euh, l'État doit être géré comme une entreprise, c'est également une idée qui est chez Saint-Simon. Euh, et donc, le, 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 certains ont fait aussi de lui le père du management. Donc, c'est vraiment une figure, une figure très, très importante. Alors, même s'il n'y a pas forcément de filiation entre ce qu'il disait et ce qui s'est fait par la suite, en tout cas, on sent que les idées étaient déjà chez lui. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement intéressant de voir que, aussitôt que cette classe apparaît, qu'après la révolution, euh, à travers la bourgeoisie, elle arrive au pouvoir, aussitôt que cette euh, classe est en mesure d'arriver au pouvoir, vous avez toutes les idées qui vont être celles de cette élite euh, qui apparaissent en même temps. Saint-Simon était aussi favorable à l'apparition, sur un mode confédéral, d'une unité des peuples, notamment entre la France et l'Angleterre. Saint-Simon estimait que c'était essentiellement l'utilité sociale qui devait faire la propriété. Et donc, notamment, Saint-Simon pensait qu'il fallait mettre fin à l'héritage. D'accord Et donc, tout ça est extrêmement intéressant parce qu'en fait... Si vous prenez... Alors, bon, j'avais fait une émission sur le Grand Reset hein, en expliquant que le bouquin était d'une pauvreté assez, assez navrante. Il n'y avait pas véritablement de grands plans avancé. Mais toutes les idées qu'il peut y avoir dedans sur la réorganisation de la société et d'autres choses qu'on entend aussi sous la plume d'un Thomas Piketty ou des choses comme ça sur la fin de l'héritage, toutes ces idées étaient déjà là dans la doctrine saint-simonienne. D'accord Parce que c'est lié au passage de la société d'Ancien Régime à la société bourgeoise, en fait, tout simplement. Et donc le Saint-Simonisme, en fait, c'est l'idéologie naturelle de la bourgeoisie. Ce n'est pas vraiment du socialisme redistributif, c'est quelque chose qui est centré sur le rôle social des producteurs, et en particulier parmi les producteurs, des élites des producteurs c'est-à-dire ceux qui sont à l'avant-garde ceux qui innovent le plus les meilleurs techniciens, etc. donc il y a véritablement un aspect anti-égalitaire malgré tout hein, pyramidal, il faut savoir où chacun est et chacun doit avoir euh, une fortune qui est conforme à sa place dans la société et, et à ce qu'il apporte à la société, à ce qu'il produit et, et, et... Tout ça, ce sont des motifs qu'on retrouve dans les élites mondiales euh, aujourd'hui, tout simplement. Parce que c'est naturel pour des gens qui sont dans cette position-là de penser ces choses-là. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit apparu en même temps. Ils sont apparus comme classe. Euh, alors, cette, ces idées saint-simoniennes, je vous disais qu'elles avaient été étendues ensuite. Bon, Déjà qu'il y avait un aspect, euh, effectivement, de un peu religieux dedans, mais Saint-Simon était un déiste, en fait, et ce qu'il voulait, c'était vraiment une religion du progrès, religion de, 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 de l'humanité, un système social, rationaliste et scientifique, c'était ça son idée. Euh, et ça a été étendu derrière avec, par Auguste Comte, vous savez, qui était le père du positivisme, hein, où il fallait tout soumettre à la science, et il y avait l'idée que on arriverait à absolument tout soumettre à la science et que tout serait scientifique. Et ça, c'est une autre chose qui est assez intéressante, parce que vous sentez dès le départ une... Euh, une, euh, un lien, une proximité entre les idées de l'industrialisme de Saint-Simon et cette idée que euh, la science viendra à bout de tout et donc cette forme de sacralisation de la science qui vient en remplacement de la religion. Euh, dont les mois passés avec euh, avec la, la, la crise sanitaire en particulier. Euh, on donné à voir quel était l'aboutissement de ce cheminement. C'est finalement cette sorte de religion de la science. Hein, tous ces gens qui vous disent qu'il faut croire en la science hein, ou qui accusent les gens euh, d'être critiques de ne pas croire en la science. Donc cette, cette vision de la science comme nouvelle religion, d'accord ça aussi, ça fait partie de l'idéologie naturelle qui a été naturellement sécrétée par ce nouvel ordre social. Donc ça, c'est le premier volet, si vous voulez, de toute cette idée-là, et qui effectivement peut avoir des aspects collectivistes d'une certaine manière. mais c'est pas parce que c'est collectiviste que c'est communiste ou que c'est marxiste ou que c'est égalitaire. ça qui est important, d'accord. le marxisme a pu avoir des côtés euh, communs, en particulier le marxisme-léoniste avec le saint-simonisme, dans le sens où il y avait, euh, où il y avait de, la, de la planification, où il y avait le souci social. Euh, mais chez saint-simon, malgré tout, il y a quand même le culte de l'élite qui produit. Hein et donc euh, c'est quelque chose qui, qui se retrouve plus chez, euh, chez les, les gens aujourd'hui qui sont prêts effectivement à, euh, à, 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 à se mettre dans une perspective de bien commun, mais qui en même temps sert leurs intérêts puisque ça fait d'eux une caste dirigeante. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas… Voilà. Donc on n'est pas face à des bolcheviques, hein, mais on est véritablement face à des industrialistes en fait, à cette idée-là d'utilité sociale maximale, cette idée quelque part que… La société comme une grande horloge qu'on peut organiser euh, et, et qu'il suffit de tirer tel ou tel levier. Ça, ça aboutit donc à la, à la technocratie qui est, qui, est, qui, est, qui est liée à cette, à cette forme d'élitisme. Euh, et donc, par-dessus ça, euh, on doit constater que c'est ajouté, avec le phénomène de la mondialisation, euh, la pensée cosmopolite. Qui est de, de vision du monde comme un, un, un ensemble euh, sans frontières, euh, etc. Et ça, alors je vous disais que c'était déjà compatible à la base avec le Saint-Simonisme, puisque dans le Saint-Simonisme, il y avait cette idée de, de paix universelle, parce que l'idée aussi, c'était d'arriver, si vous voulez, à achever le processus révolutionnaire, puisqu'on sortait de la révolution, euh, mais dans la paix, et, et donc en ne laissant pas le pouvoir aux généraux, etc., mais aux gens producteurs. Euh, c'est-à-dire il fallait évacuer ce qui était perçu comme des travers d'ancien régime, qui était le, le, le primat de la force armée, etc. Et on trouve aussi un parallèle, si vous voulez, euh, de ce mouvement-là dans l'Antiquité, et là aussi encore c'est une chose qui s'évince d'un certain ordre social, des rapports de production et des rapports politiques, qui est que c'est la mondialisation qui crée l'idéologie cosmopolite. Après, vous avez une boucle de rétroaction là-dedans. Et ça a déjà été le cas, ça a déjà été le cas en, dans l'Antiquité, puisque dans l'Antiquité, vous avez le, le, le stoïcisme, si vous voulez, qui a, euh, qui a apporté cette, euh, cette idée. Le stoïcisme qui est arrivé. Alors souvent, quand on parle de stoïcisme aujourd'hui, on pense surtout au fait de se contrôler. Euh, hein, cette espèce de philosophie, c'est l'idée d'être stoïcien, c'est de résister à la douleur, tout ça. Mais à la base, le stoïcisme, c'est... Essentiellement, une c'est une, une philosophie du cosmopolitisme du monde comme cosmos et comme ensemble. Et un des, un des, premiers, euh, un des premiers Grecs euh, à, avoir, à avoir été cosmopolite, Zénon de Kittion, disait ceci Je vous ai retrouvé la citation. Cette organisation tend à un seul but capital, à ce que nous n'habitions point des villes et des bourgades régies chacune par des juridictions spéciales. Il veut au contraire que nous regardions tous les hommes comme autant de concitoyens et de membres d'un même État qu'il n'y ait qu'un même genre de vie, qu'un même ordre, comme si l'humanité était un grand troupeau vivant sur un pâturage commun. Vous voyez Donc le, 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 stoï le, le stoïcisme, à la base, c'est ça. Et par-dessus ça, euh, un des grands stoïciens, c'était euh, euh, Diogène le cynique, et euh, qui, euh, fin, qui était un courant d'origine du, du, du stoïcisme, hein, euh, qui lui, en plus... Euh, prenait une forme de, 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 de pensée libertaire. Euh, et, euh, et, et on retrouve les mêmes nuances aujourd'hui dans, la, dans, la, dans, dans les élites mondiales. C'est-à-dire que déjà, d'une part, il y a cette idée du village global qu'il faut défendre. Euh, et puis, il y a euh, aussi, en grande partie, cette idée de libérer les mœurs, euh, d'uniformiser du, la population euh, avec euh, le métissage avec l'uniformisation le, 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 par le multiculturalisme des sociétés pour ne fonder justement qu'un seul, qu seul troupeau à l'échelle du monde. Et ça, c'est une idée qui vient naturellement du mélange de l'ensemble du monde euh, et du, du brassage euh, politique que constitue d'abord le grand mouvement de colonisation puis impérial. Euh, à l'échelle globale, des Grecs et des Romains dans l'Antiquité et des Européens et des Américains de nos jours. Et aussi de l'évolution d'une pensée qui se détache des euh, cultes locaux traditionnels et qui était plus fermée, plus dans l'opposition pour aller vers euh, du, euh, du syncrétisme. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut bien comprendre quand vous voulez interpréter et savoir que veulent les élites mondiales. Elles veulent tout simplement ça, c'est-à-dire exactement la même chose qu'elles veulent depuis leur apparition, depuis Saint-Simon. Euh, et dans le même mouvement qu'elle voulait dans l'Antiquité, c'est-à-dire, effectivement, un grand ordre cosmopolite. En fait, c'est ça, si vous voulez, la synthèse, c'est entre cette vision d'un ordre cosmopolite et le Saint-Simonisme. C'est-à-dire, c'est du Saint-Simonisme global, qui était déjà un peu global dans la passée de Saint-Simon, mais là, on va tout à fait au fond, avec ces principes de euh, gouvernance globale qui ne serait pas le fait des États, qui ne serait pas le fait des administrations, mais qui serait le fait des puissances économiques. Euh, vous avez tout un tas d'autres idées hein, qui étaient déjà chez, chez, chez Saint-Simon. L'idée d'avoir une banque centrale unique, c'était déjà chez lui, etc. Enfin, il y avait tout un tas d'objets de planification qui étaient dessus. L'idée de croissance, euh, la croissance comme obsession politique principale, euh, comme étant l'alpha le, le, et l'oméga de tout discours politique, la croissance, c'est une idée qui est liée à l'idée de progrès et donc qui était, qui était déjà aussi chez Saint-Simon. Hein, euh, il prévoyait une espèce de plan qui devait enrichir euh, la France à l'époque, je crois, il disait 3 milliards par an. Euh, donc c'est la, la, la même idée. Donc c est, c est, c est, vous avez un tas, si vous voulez, de, de, de réflexes intellectuels, d'idéologies de, de, automatiques qui sont produits par certains. Euh, phénomènes sociologiques euh, de classe, de production, etc. Tout simplement. Hein, parce que tout simplement, quand les élites principales sont par nature des entrepreneurs, et bien ils auront tendance à légitimer ça. Ils auront tendance à, du coup, et du coup euh, ils vont amener leur façon d'appréhender les problèmes euh, pour régler tous les problèmes qui se posent. À eux, hein. Vous savez, l'idée, quand vous avez comme marteau tout ce que vous avez, tout ressemble à un clou. Mais quand, euh, quand vous mettez... Euh, quand vous mettez un, un dirigeant qui dirige une grande entreprise à, à la tête d'un État, bien il estimera qu'il faut faire, euh, qu'il faut manager ça comme une entreprise. Si vous émettez un militaire, il estimera qu'il faut gérer ça comme un militaire. Chacun le voit le monde à travers ses lunettes. Et donc, les lunettes des élites mondiales actuelles, qui sont les élites du monde industriel, ce sont, euh, ce sont celles que je viens d'essayer de, de vous décrire assez rapidement. Et je pense que c'était important parce que ça permet de comprendre aussi que, il y a, encore une fois, ça, ça, c'est un truc qui, qui, auquel j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de plan. Il euh, n'y a pas de plan, et ces types ne sont pas particulièrement plus intelligents. Euh, un close shop vous ressort en plus mal, dans son RZ, des idées qui étaient déjà chez Saint-Simon. Donc ces types, ils il essaient de réactualiser en fonction de l'état technologique du monde actuel, mais intellectuellement, il n'y a pas d'apport, si vous voulez. Et puis c'était mieux écrit chez Saint-Simon, hein, pour, pour l'avoir lu un peu. Euh, voilà. Mais donc, c'est voilà comment ça fonctionne et voilà quelle est l'idéologie euh, automatique des mondialistes euh, et des élites mondiales, surtout de, de ce qu'on appelle l'hyperclasse, hein, euh, c'est-à-dire effectivement cet ensemble d'élites qui, à l'échelle mondiale, euh, évoluent, euh, évoluent entre eux. Euh, et qui donc n'a rien à voir avec le bolchevisme, mais effectivement on dirige dans le sens de, de ce qu'on voit déjà, hein, c'est-à-dire cette idée effectivement de, 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 de gouvernance, d'ajustement, euh, du fait qu'il n'y a plus tellement d'importance donnée euh, au droit en tant que tel, même si on s'abrite toujours cette idée d'état de droit. Mais l'important, c'est d'être capable de, euh, de régler l'horloge mondiale euh, en utilisant les banques centrales, en utilisant les politiques, euh, les politiques sociales, etc. Ça, ce n'est pas du marxisme, ce n'est pas d'une du, volonté communiste, c'est une volonté de, de cette religion du progrès, finalement, qui était déjà chez Saint-Simon, par, euh, par le management, par l'économie. Euh, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère avoir pas été trop confus malgré mon esprit un peu embrumé par le par ce qui n'est qu'un rhume hein, malgré tout. Et euh, et voilà. Puis on peut peut-être passer aux questions euh, là-dessus. Oui je voulais dire, t'as dit quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Oui. Je peux je peux affirmer qu'effectivement dans GTA quand, quand j'ai un marteau, tu tu ressembles à un clou. <laughs> mais je sais que c'est pareil dans l'autre sens donc bon <laughs> c'est vrai donc voilà <laughs> euh... donc merci pour cet exposé Philippe et puis euh, bonne nuit je vais euh... je vais m'occuper de faire de la danse pendant une demi-heure pour finir et toi tu peux aller te coucher t'en as besoin hein. bon, c'est vrai que t'es flou je sais pas si tu veux faire quelque chose ça n'a pas marché avec la main euh, vas-y va ok oui oui je m'occupe des questions pendant l'instant euh, je voulais aussi faire une blague en disant que euh, quand tu as dit que les négociations avaient échoué, oui. tu as parlé des négociations russes et, euh, et chinoises. Je voulais dire que par contre, il ne fallait pas toujours être négatif. Les négociations sur euh, le prix de la buvette pour le prochain match Lyon-La cher Paris Football Club, c'était très bien passé. Ah, tant mieux. Je suis content que tu ah, me l'apprennes parce ouais. que qu'on un... a des préoccupations aujourd'hui. Je sais, je sais, c'est pour ça aussi qu'on est dans le coltard. On voulait vraiment savoir ce qu'allait se passer. Alors, on commence avec Jourdain Lavallier. Bonsoir, Point Que se serait-il passé si, en 1778, Turgot était resté au ministère et que la France ne serait que modérément engagée dans la guerre d'indépendance américaine euh, euh, Alors, la question, c'est est-ce que c'était euh, est possible euh, Parce que euh, Turgot a fait des réformes libérales, notamment sur la circulation des grains, euh, ça aurait peut-être permis qu'il y ait moins de difficultés dans l'approvisionnement de Paris euh, euh, en, euh, à la veille de la révolution donc il y aurait peut-être eu moins de tensions sur, sur, le, sur le blé et donc une population moins affamée égale moins de problèmes mais il faut se souvenir aussi que euh, les réformes de Turgot, pour beaucoup, ont été très impopulaires. Parce que, euh, parce que le... ce qu'il faut voir, c'est qu'une société d'ancien régime, c'était un problème bloqué. Et il y a un film qui le montre très bien, ça, que je vous conseille, euh, qui s'intitule très sobrement 1788. Je crois qu'il est sur YouTube. Euh, et ce film, en fait, est un film très réaliste. C'est presque... Ça ressemble à un documentaire, mais dans la France de 1788, dans la campagne. Et, euh, et vous voyez donc un village de province où il y a le noble local, où il y a le bourgeois local. Et, euh, et, vous, vous, et ça raconte, ça raconte euh, l'année d'avant et le début de la Révolution vécue dans un petit village euh, français. Et c'est très intéressant, c'est pas manichéen du tout. Et ça montre combien tout le monde euh, se tient par la barbichette. C'est-à-dire que vous avez des paysans pauvres qui vivent en des communaux, c'est-à-dire les terrains qui sont, qui sont communs. Euh, si, on les leur si on les leur enlève, euh, ils, ils, ils crèvent la dalle. Euh, mais en même temps, ils ne les exploitent pas bien. Et donc, ça paraît un manque à gagner pour euh, le notable local bourgeois qui lui pense que s'il pouvait les acheter, ces trucs, et les privatiser, euh, ça serait beaucoup plus rentable. Euh, vous avez euh, les, euh, le noble en même temps qui lui en a marre de payer des, le, le, le bourgeois qui en a marre de payer des impôts euh, pour euh, pour le noble, euh, de même que les paysans d'ailleurs. Euh, le noble lui, euh, il il est, euh, euh, il, est euh, il est il il dépend des impôts que paient les gens parce qu'il a été blessé à la guerre au service du roi et qu'il ne vit que d'une pension et que s'il ne touche pas sa pension de Versailles, il est ruiné. Euh, en même temps, il peut pas, il peut pas travailler parce que sinon il perd son statut euh, nobiliaire. Donc on voit tous ces gens en fait qui se tiennent. Et, euh, et donc si vous voulez, le paysan qui a ses communaux, lui il veut pas les lâcher. Euh, le bourgeois, lui il estime qu'il faut casser cet ordre-là. Euh, mais s'il paie plus d'impôts, le noble n'a plus rien non plus et donc il risque de. Vous voyez Donc tout le monde se tient la, la, par la barbichette et. Et donc, le seul moyen de casser un truc comme ça, c'est la révolution. Parce qu'à partir du moment où tout le monde s'attire à U et à Dia et que le, 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 et vous n'avez aucun maillon qui peut lâcher, forcément, c'est destiné à imploser. Déjà. Donc, c'est pour ça que les réformes de Turgot étaient mal placées. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas ré réformer un système comme ça. Vous contrariez forcément des gens et une grosse quantité de gens. Et euh, c'est pour ça que c'est irréformable. Et on a un, un État aujourd'hui qui est un petit peu euh, similaire. Ensuite, si les gens n'étaient pas allés. Si on n'était pas intervenu, alors il est possible que euh, que, que, que l'État, que la monarchie aurait décidé de pas intervenir, mais ce serait quand même été très surprenant parce que il euh, y avait il y avait un puissant besoin de revanchisme euh, dans le c'était d'ailleurs les prémices de l'impérialisme revanchard euh, napoléonien déjà révolutionnaire puis napoléonien par la suite. Ça y est déjà dans la la guerre d'indépendance américaine. Vous avez beaucoup de gens qui sont partis. Se battre aux États-Unis, non pas pour la liberté des Américains, mais parce qu'ils voulaient en mettre plein la gueule aux Anglais. Ils voulaient se venger de la défaite dans la guerre de, de, de 7 ans, 15 ans plus tôt, qui avait été vraiment vécue comme un traumatisme par, la, par la, les Français. Donc, euh, donc ça, je suis. Si vous voulez, on peut faire des uchronies, mais euh, un des trucs que, que, que l'historonomie permet justement, c'est de savoir quelle uchronie est vraisemblable et laquelle ne l'est pas. Et à partir du moment où on était engagé euh, en direction d'une révolution nationale, de toute façon, cette révolution nationale, elle aurait eu lieu. Réforme de Turgot ou pas. Euh, et, euh, et je vu la, la, la volatilité à l'époque. Des, euh, des gouvernements qui étaient liés aussi aux luttes de factions qui pouvait y avoir autour du roi, etc. Je ne vois pas euh, comment il aurait été possible de maintenir une. En gros, ça revient à dire euh, si Louis XVI avait été Louis XIV, est-ce que ça aurait cassé Non, c'est sûr que c'est pas le même, c'est pas la même personnalité. Mais euh, justement, ce qu'on observe en général, euh, c'est pour ça qu'on observe à peu près toujours la même durée partout. C'est que euh, bah, quand vous en êtes à la troisième, quatrième génération après un Louis XIV, bah, vous avez un... un Louis XVI ou quelque chose qui approche. Mais, euh, mais ça change pas l'issue. On préfère que ce soit les, les Louis d'or qui approchent. Oui. Bon, mais c'est une bonne série de questions. Euh, bonne nuit à tous. Et puis, il va, il va vous faire la blague toutes les hein. <laughs> ben, dix oui, oui, minutes. Oui, oui, dix minutes. Oui, t'as mis 10 minutes à répondre. <laughs> J'ai pas mis dix minutes à répondre. 8, hein, 8 minutes. Ah oui, d'ailleurs oui. Du coup, je voudrais aussi. Alors, il, pro, il propose des émissions. Euh, donc, c'est intéressant, mais je te les soumets quand même. Serait-il possible de faire une émission dédiée sur histoire contingente, histoire nécessaire, avec l'impact sur les analyses historiques et prédictives Et une autre sur les uchronies, spécial uchronies. Euh, oui, c'est possible. Il va falloir que je réfléchisse deux minutes quand même, mais oui, on peut le, on peut mettre ça dans la liste. On note aussi Fistule qui dit qu'il a, si j'ai bien compris, qu'il a le Corona aussi, et il dit qu'il est content parce qu'au moins il est là pour suivre le direct cette fois-ci. Euh, Quelqu'un dit, je le dis aussi parce que c'est marrant, il dit Raclette plus Fabri égale Royal. Ah, c'est super. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Est-ce que tu aimes la raclette, toi oh, J'adore la raclette. Très bien. J'ai fait mon réveillon avec une raclette. C'était vachement sympa. <laughs> J'ai vu que dire que t'avais rêvé de raclette. <laughs> non. Euh... Alors, euh... bon, pff, question marrante, mais pff, non, je ne sais pas si je la pose. Je te la pose, mais je pense pas qu'elle soit pertinente. On va on met ça sous le coup du Covid. Y aura-t-il aura un département d'études de genre à l'université de Pyongyang après la Quatrième Guerre mondiale euh, et bien peut-être, peut-être. Euh, alors cela, cela dit, moi je, je tiens, ça est l'occasion de dire ce que je pense. De, euh, moi, vous savez, je pense que les études de genre à la base c'est pas du tout idiot, euh, parce qu'en fait l'idée qui est à la base de, 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 la, des études de genre, c'est de faire un travail sur justement euh, la part culturelle des représentations du genre et ça permet, il y a tout un tas de, de trucs très intéressants à étudier par exemple euh, c'est vrai que ça vous a peut-être fait ça quand vous étiez euh, adolescent, que vous voyez les photos euh, dans les manuels d'histoire le, le, le grand portrait de, de, de Louis XIV en tenue de sacre euh, on trouve que ça fait un petit peu ridicule, ce type qui montre ses bas comme ça, qui est en bas avec le, le truc ça fait ça euh, a un, un côté ridicule un côté un petit peu efféminé le, le, les bas comme ça et euh, Or, ça c'est un problème culturel parce qu'à l'époque, montrer ses mollets, justement, le mollet c'était considéré comme étant quelque chose de vachement viril, si vous voulez. Et c'est pour ça que les, les nobles mettaient des bas, c'est parce que c'était un accessoire de mode qui me permettait de montrer quand vous aviez des beaux mollets, vous voyez, ça voulait dire que vous étiez un mec. Quoi. Et euh, de la même manière, le, le rose, pendant longtemps, a été une couleur qui était. Très, euh, qui était principalement considérée comme masculine, parce qu'on trouvait que c'était l'ardeur, c'était la chair, c'était terrien, donc c'était masculin. Et, et le bleu, on l'attribuait plutôt aux filles, parce que c'était céleste, c'était le blanc qui allait avec les nuages, c'était la Vierge Marie, avec ses couleurs blanches et bleues, vous voyez. Donc, euh, donc le côté bleu garçon, rose fille, à la base, c'est culturel. Et c'est bien d'en prendre conscience. Euh, vous savez, hein, moi je dis souvent que c'est aussi ce que j'essaie de faire avec l'hystéronomie, c'est un moyen de faire sa propre psychanalyse, de savoir exactement en quoi on est conditionné ou pas par, euh, culturellement ou par, euh, par nos réflexes pensés, etc. Donc dans ce sens-là... La théorie du genre euh, et le, le réflexion sur le, le, les études de genre, c'est pas du tout absurde si c'est une question de déconstruction de des de, 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 de constructions culturelles justement autour d'une euh, réalité biologique de base qui est le sexe. Comment est-ce qu'on se représente culturellement une réalité biologique de base qui est le sexe euh, Après tout, le, 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 le délire sur le fait qu'en gros la réalité biologique n'existe pas que tout ce qui importe c'est la culture, ça c'est du délire. Idéologique, effectivement. Mais à la base, la, 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 la théorie, c'est un champ euh, historique d'études d'histoire des représentations et d'études et sociologie euh, culturelle qui est, euh, qui est tout à fait euh, légitime. Voilà. Et donc, je serais ravi qu'un département ouvre à Pyongyang. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait, ça serait pas le cas, ne serait-ce que pour arriver à, à étudier justement euh, quelles sont les représentations masculines et féminines dans le cadre d'un régime euh, communiste. Peut-être qu'on te retrouvera. Euh... En 2040, prof d'histoire à Pyongyang. Ouais, j'aurais peut-être une chaire à Pyongyang. Ouais. <laughs> Ce serait bien, putain. Euh, y a... Alors, je crois qu'on en a déjà parlé, mais bon, enfin, un peu. Y a-t-il des intellectuels antiques qui correspondraient à Saint-Simon lors du deuxième cycle, du coup Ou des idéologies ou tendances euh... Ça, c'est une bonne question, alors, le problème, c'est que les idées de Saint-Simon, euh, c'est euh, quand même quelque chose qui est très moderne, dans le sens où c'est très appuyé sur. Euh, en fait, c'est des idées modernes, tout ça. Le travail, euh, l'industrie, la production, l'innovation, ce n'est pas des choses qui étaient valorisées par les, euh, par les anciens, tout ça. Euh, pour les anciens ce qui étaient, euh, était valorisé c'était justement l'oisiveté euh, alors l'oisiveté c'était pas juste l'oisiveté ne rien foutre hein. euh, c'était pas glandé non, mais euh, le, 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 le noble si vous voulez euh, c'était le cas du patricien à Rome euh, mais c'était euh, le, le, pareil on, le citoyen à Athènes était perçu comme ça euh, normalement il devait être oisif pour se consacrer à la vie politique la noblesse à Athènes, c'était celle de se consacrer à la vie de la cité, à la vie publique. À Rome, euh, il y avait un petit peu de ça, mais il y avait aussi l'idée que le noble, c'était celui qui, avait, donc, qui faisait travailler ses esclaves et qui, lui, s'adonnait à l'étude, euh, en particulier euh, les, euh, ce qu'on appelle les arts libéraux, euh, c'est-à-dire les premiers juristes consultes, étaient des gens. Qui étudiaient le droit, mais sur leur temps libre. c'était des gens qui ne travaillaient pas, ils ne se faisaient pas payer pour ça. C'était pour le, 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 le si vous voulez, pour la beauté de l'art et pour, pour l'intellectuel. Donc, il ne s'agissait pas de glander, mais c'était la classe qui devait avoir. En se libérant du travail, la capacité de se livrer à ses armes. Bon, Aujourd'hui, tout ça, c'est ce considéré comme du travail. Moi, je suis avocat, euh, je ne suis pas euh, là euh, pour l'amour de l'art, euh, parce que j'ai des esclaves qui travaillent pour moi et que du coup, je peux faire ça gratuitement. Donc, ce n'est pas du tout la même mentalité qu'il y a entre la taquité et l'ère moderne pour ça, pour la, la, la façon dont on se le représente, en tout cas, et dont on le, le réfléchit. Euh, après, si vous voulez... Dans la, la construction mentale sur le temps long et le, 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 la, la, la pensée politique, il y a des parallèles, effectivement, malgré tout. Euh, L'idée qu'une euh, minorité d'élites qui savent doivent en fait s'occuper de gouverner la cité, c'est déjà présent euh, dans les sectes pythagoriciennes, hein, à la suite de, donc, du mathématicien Pythagore. Donc il y a déjà cette idée-là. Euh, on retrouve ces idées-là dans la façon dont Platon estime que la société doit être organisée aussi autour d'une petite élite. Mais qui lui, ce, 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 ce... Euh, le problème, c'est que Platon, lui, c'était plutôt un ordre qui se méfiait du progrès. C'est-à-dire l'idée de progrès, elle est absente dans l'Antiquité. Et donc c'est difficile de faire un parallèle avec Saint-Simon. On peut faire un parallèle sur des questions comme l'élitisme, sur la technocratie. Sur l'ingénierie sociale, de l'ingénierie sociale, on en trouve chez Ulpien, je pense, dont j'ai déjà parlé, le, le juriste, euh, qui, qui, qui veut structurer la société grâce à la loi et tous les rapports de droit grâce à la loi. Euh, maintenant... Un parallèle strict, c'est compliqué à faire pour des raisons de, de, du fond de la pensée, encore une fois, qui est qu'avec Saint-Simon, on a une pensée qui est très centrée sur l'idée de progrès, l'idée d'innovation, l'idée de croissance, qui sont des idées qui sont assez étrangères à, à l'Antiquité. Mais, euh, mais je pourrais, je, ça serait intéressant de réfléchir à voir toutes choses égales par ailleurs, qu'est-ce qui correspond à ce type, à ce type de, 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 de pensée-là. Il y a peut-être. Euh, quelques penseurs qu'on pourrait trouver. Après, est-ce que ce sont des, des, des ouvrages qui ont survécu Parce que je vous rappelle qu'on euh, a perdu beaucoup d'auteurs en l'Antiquité euh, avec la disparition de, de leurs œuvres. Et Saint-Simon lui-même, malgré tout, est, est moins connu que ce qu'on pourrait penser. Hein, euh, dans le... Euh, à l'époque moderne, euh, moins lu, et, euh, et même de son vivant, il n'était pas très très connu, en fait. C'est surtout parce qu'il y a eu les écoles Saint-Simonène, derrière, derrière Auguste Comte, etc., que, 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 que ça lui a fait une réputation. Mais de son vivant, il n'était pas super connu. Euh, alors, plutôt une réaction, mais c'est dans le sujet, donc je te la passe. Adrien Vergniaud, l'idéologie dominante, c'est le constructivisme social, et le constructivisme social, c'est la gauche. Point d'interrogation, entre parenthèses. Euh, alors, mais le, 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 si vous voulez, dans le, le Saint-Simonisme, il y a effectivement qu y a quelque chose qui est profondément de gauche, c'est que c'est une idéologie du progrès euh, et de l'innovation. Donc, effectivement, j'ai envie de dire que c'est consubstantiellement de gauche, c'est-à-dire que ça, ça lui évite de se, de, se, euh, de, se, de, se, de se périmer ou de se périmer trop vite, de devenir, parce qu'en fait, ça ne, ça ne crée pas un ordre établi, c'est une vision du rôle des élites. Euh, et donc, euh, ce n'est pas un catalogue doctrinal de ce qu'elles doivent, qu doivent faire. Donc, euh, à partir du moment où vous dites que les élites sont là pour, pour gouverner globalement euh, vers le progrès, eh bien à chaque génération, les élites peuvent renouveler leur vision du progrès par de nouvelles idées. Donc, en ce sens-là, le Saint-Simonisme est un peu transversal et c'est effectivement assez favorable un mouvement euh, de gauche en le sens où l'idée de progrès est centrale. Merci. Euh... Attends. Comment, euh, question de l'IE, qui euh, d'ailleurs euh, s'est abonné à, à la chaîne aujourd'hui. Euh, Merci. Comment rester conservateur en vous écoutant et en écoutant Gary Epi Il semble que le progressisme va gagner quoi que l'on fasse. En fait, le progressisme gagne tout le temps et il perd tout le temps, puisque euh, euh, une fois que le progressisme a réussi à mettre en place ce qu'il veut, euh, ça finit ça aussi par disparaître, après avoir été défendu pendant un moment par les conservateurs. Donc, euh, tout passe, tout lasse, tout casse, j'ai envie de dire. Euh, ça n'empêche pas d'être... Moi, j'ai l'habitude de dire, je, je, je pense qu'il faut être conservateur. Et il y a deux façons d'être conservateur. Si vous considérez que vous êtes juste conservateur des choses telles qu'elles sont, euh, quel est le sens premier que je donne à ce, ce mot dans la théorie du clivage, euh, euh, effectivement, assez, c'est pas très réfléchi. Euh, après, moi, j'aime bien être conservateur dans le sens anglo-saxon, qui, qui peut être une attitude générale raisonnée, qui est l'idée que qui n'est pas une hostilité forcément en progrès, qui est l'idée que les choses, effectivement, les innovations peuvent amener des bonnes choses, mais qui est aussi l'idée qu'il faut savoir, il faut faire preuve de discernement euh, et considérer que le, 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 les bonnes institutions, ça se sédimente. Et que donc il y a des institutions qui sont anciennes euh, parce qu'elles sont efficaces et qu'il faut être prudent quand on veut les réformer ou les casser. Donc, c'est ça, un conservatisme, si c'est un conservatisme idéologique, un conservatisme bien pensé, c'est ça. C'est une idée qui est un petit peu, qui est très, qui correspond beaucoup avec ce que disait Friedrich Hayek, qui est que ce qui caractérise les grandes certaines grandes institutions, comme euh, le mariage ou des choses comme ça, c'est que elles sont apparues par ordre spontané et elles se sont imposées par sélection naturelle sur la longue durée. Et donc, si ces choses-là, vous les cassez, euh, vous risquez d'avoir, ça risque d'avoir des conséquences sociales très importantes. Donc, euh, voilà, ça implique d'avoir cette vue euh, longue, dans le temps long et dans la perspective un petit peu. Et, euh, et, et ça, je pense que ça a toujours de la, de la valeur. Ce n'est pas un conservatisme fermé, si vous voulez. Mais, euh, mais c'est la manière intelligente d'être conservateur. Euh, après, il euh, y a une chose qui est sûre c'est que vous soyez conservateur ou pas, l'histoire s'en foutra au bout d'un moment. Hein. Euh, mais bon, ça, c'est la marche du monde. Personne ne peut l'arrêter. Euh, question de The Corvald. Enfin, trois questions. Donc attention, ça va mitrailler. Euh, mais qui découlent les unes des autres. La classe parasitaire qu'est la technocratie ne vient-elle pas montrer justement qu'elle est dépassée et inutile N'est-ce point la fin de leur idéologie Quelle prochaine classe de remplacement Alors, vous avez plusieurs. Alors. Euh... Si vous voulez, la, la technocratie, ça peut s'entendre de deux manières. Vous pouvez avoir une technocratie qui est euh, administrative, euh, qui n'est pas la vision qu'en avait Saint-Simon. La te technocratie administrative, c'est beaucoup ce qu'on fait en France. On fait des concours euh, sur un système un peu mandarinal. Euh, et euh, on estime que les gens qu'on a mis là sont compétents. Donc on fait des corps, hein, les ingénieurs des ponts, les ingénieurs des mines, etc., polytechniciens. Euh, c'était pas vraiment ça la vision d'Auguste Comte dans la vision de, 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 de Saint-Simon dans la vision de Saint-Simon ce qu'il faut c'est que les gens de bien qui sont producteurs et qui sont intelligents quelque part se retrouvent entre eux pour gouverner mais ce n'est pas vraiment dans le cadre d'un système politique. C'est pour ça que l'idée de gouvernance qu'on porte souvent aujourd'hui est intéressante. Elle s'oppose à l'idée de gouvernement. L'idée de gouvernement, vous avez l'idée qui s'appuie sur une structure étatique et donc sur une administration. Dans l'idée de gouvernance, vous avez l'idée que c'est des gens euh, de bonne volonté hein, euh, et des gens de bien, hein, c'est-à-dire des gens qui ont du bien, comme le disait Guillemin, c'est-à-dire les possédants, euh, qui se retrouvent ensemble. Euh, pour donner une direction à la société, mais pas en vertu d'un mandat électif et pas en vertu du fait qu'ils tiennent des institutions administratives, euh, mais en vertu du fait qu'ils sont ensemble et simplement par la, la puissance qu'ils ont du fait de ce qu'ils sont. Euh, donc ça peut être deux façons de voir la technocratie de manière différente. Et euh, alors, autant la technocratie en France, le mode l'énarchie, etc., je pense qu'elle est en train de connaître des ratés, effectivement. Autant, j'ai l'impression que l'aspect gouvernance euh, des élites mondiales, euh, économiques notamment, euh, n'a jamais été aussi, euh, aussi puissant. Donc, voir par quoi ils vont être remplacés immédiatement. Si on suit un parallèle qui est relativement proche de celui qui s'est fait dans l'Antiquité, ce qui a fini par remplacer tout ça, c'est une forme de de d'arriver de, 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 au pouvoir du peuple via des dictatures militaires. L'histoire de l'Empire romain, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que c'est euh, des empereurs qui s'appuient sur le peuple à travers l'armée et sur l'armée en tant qu'émanation ou représentation du peuple. Et, euh, et c'est ainsi que l'Empire romain a eu tendance de plus en plus, au fur et à mesure que l'armée y a pris de plus en plus de poids et que les classes... Euh, dirigeantes économiques, justement, se sont effacées, ont été essorées progressivement par l'Empire, euh, eh bien, euh, cette, euh, ce qui s'est mis en place, c'est de plus en plus ce qu'on appellerait une démocratie populaire, hein, euh, c'est-à-dire un gouvernement, euh, un gouvernement euh, par l'armée, euh, supposément au nom du peuple. Euh, et quelque chose de très, très euh, illustratif à ce sujet à ce niveau-là, c'est le fait que peu après Ulpien, euh, qui était le précepteur de, euh, de, de, et quelque part le ministre, du coup Ulpien était presque un empereur de fait de Sévère-Alexandre, euh, celui qui est arrivé peu après comme, euh, et qui a déclenché le début de l'anarchie militaire, c'était Maximien le Trace, euh, qui était un... Euh, un général euh, qui était sorti du rang donc c'était qui venait du peuple et euh, et qui a fait une espèce de révolution populaire comme ça et ça a été ça a été le début de la fin des élites romaines puisque ça a ouvert une, une période d'anarchie ce qu'on appelle l'anarchie militaire hein, qui s'est refermée avec Dioclétien et euh, Dioclétien c'est lui qui a, transformé le régime, bon, qui, a, qui a achevé disons la transformation du régime impérial de ce qui était une, une continuation de la république romaine en le sens où euh, en principe l'empereur continuait de tirer sa légitimité du sénat à une monarchie euh, militaire d'autorité euh, divine par légitimité, euh, et dans laquelle le Sénat redevenait en gros un conseil municipal de Rome et n'avait plus de, 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 de rôle à l'échelle de l'Empire. Donc, qui était, euh, était l'achèvement de cette, de cette forme de révolution euh, initiée par, euh, par Maximin Letras. Donc, euh, on n'en est pas encore là. À mon avis, euh, il faudra attendre d'avoir vécu euh, euh, d'abord la mutation impériale des États-Unis et, euh, et quelques décennies dedans avant d'avoir cette, euh, cette évolution-là. Merci. Euh, alors attends, laisse-moi rattraper une question. Euh, alors bon, ça, je... question de Simon Richoz. Cette idéologie fait-elle partie de l'histoire nécessaire euh, Alors j'aurais tendance à penser que oui, dans la mesure où, comme je l'ai dit, c'est une émanation de, c'est une émanation d'une évolution de fond et les évolutions de fond euh, ont plus tendance à tenir... Euh, le plus vous allez dans des phénomènes de masse, plus c'est de l'histoire nécessaire, et plus vous allez dans des des comportements individuels, moins ça en est plus le fruit du hasard est, euh, est, euh, est, est possible. C'est comme en physique statistique. Si vous regardez euh, des molécules seules, vous pouvez pas prévoir leur comportement. Si vous regardez une masse de molécules, vous pouvez. Donc le déterminisme est, euh, est beaucoup plus facile à voir quand vous avez des gros ensembles que des petits. Et donc euh, vu qu'on est sur euh, une idéologie qui vient véritablement d'un système et d'un ensemble d'élites qui apparaît dans un système, euh, pour moi, ça relève du nécessaire. Ouais. Merci. Euh... Alors, attends, je vais d'autres questions. Euh... Les conflits à venir vont-ils mettre à mal la mise en place de cette idéologie ben, Elle est déjà en place, cette idéologie, encore une fois. Et puis, il faut bien surtout faire l'effort intellectuel de voir que c'est n'est pas. Une mise en place linéaire d'une idée qui aurait été là, que les gens se seraient passés de truc en truc, etc. Non, c'est que chaque génération ou même chaque individu qui appartient à ces élites aura tendance à rationaliser ses intérêts dans ce sens-là et, 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 et à valoriser son propre rôle social et à justifier son, 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 euh, sa place sociale et, et son rôle à son avantage. Donc, euh, euh, donc si vous voulez c'est pas véritablement une, 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 une mise en place je veux dire c'est l'évolution euh, c'est une évolution euh, sociale euh, euh, générale donc c'est pas encore donc à un endroit où vous pourriez couper euh, euh, parce que je vous dis il n'y a même pas forcément de généalogie les euh, Klaus Schwab n'a vraisemblablement pas lu Saint-Simon enfin je pense pas euh, et la plupart des élites non plus. Ça n'empêche pas qu'elles pensent comme lui et que quelque part lui, c'est surtout le premier à avoir formulé tout ça euh, au début euh, parce que c'était au moment où cette classe apparaissait et où lui en faisait partie. Et où il, et il, a, euh, il a été particulièrement visionnaire et donc il a tout de suite tout vu, toutes les implications. Mais, euh, mais c'est tout. S'il ne l'avait pas fait, on en serait à peu près au même stade, de toute façon. Parce que ce sont des idées naturelles, encore une fois. C'est ça que je veux faire entendre quand je parle d'idéologie naturelle. Merci. Euh, je tenais aussi à lire les messages de soutien, puisque quand tu as fini ton exposé, euh, euh, après une demi-heure à peu près, euh, tu as demandé si ça avait été clair, etc. Et euh, donc PJ a dit non très clair, merci, vrai intellectuel, pas parler devant bibliothèque. Et, <laughs> euh, et Vinrou a dit merci, vous êtes toujours au top. Super, merci beaucoup. Euh... Alors, euh... quelqu'un demande un épisode, enfin Iruma demande un épisode sur l'impact du conflit Ukraine-Russie au sein de l'Union Européenne. Euh... On pourra faire ça. Mmh. Euh... Là, déjà, je peux vous donner un petit indice, c'est que l'Allemagne joue perso, comme d'habitude. Parce que cette semaine, il y a le ministre des... de la Défense, qui est une femme d'ailleurs, je crois. Euh, allemande euh, qui a expliqué que on n'était pas obligé de lier la question de l'Ukraine avec celle du Nord Stream 2 que ça avait rien à voir ce qui est en fait une façon de dire euh, quoi qu'il se passe en Ukraine ça n'affectera pas le Nord Stream 2 euh, et donc il y aura pas de sanctions au niveau du Nord Stream 2 parce que nous vouloir notre gaz hein. donc euh, donc déjà donc et ça 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 euh, du coup ça a gueulé ça a gueulé au niveau de l'Europe en disant non, non mais attendez euh, si bien sûr qu'on coupera le Nord Stream 2 si jamais vous faites des trucs donc y a cafouillis déjà euh, et donc euh, le, le, au niveau de l'europe ça, ça vous montre le, le genre de, 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 de bisbille que ça pourra initier en soi parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts et vraisemblablement l'allemagne sera assez capitularde parce que ce qu'il faut c'est qu'ils euh, aient leur gaz et qu'ils puissent continuer à fabriquer leurs trucs et les exporter voilà plus besoin de faire l'émission <laughs> non on la fera peut-être quand même pour détailler tout ça mais... euh... <coughs> question hors sujet est-ce que vous auriez de bons livres à conseiller sur la transition fin de l'Empire romain au Moyen Âge? Alors il y a un livre que je vous conseillerais essentiellement, qui est La fin du monde antique et le début du Moyen-Âge de Ferdinand Lot, qui est un peu ancien déjà, mais qui était remarquable. C'est un souvenir émouvant de lecture pour moi. Parce que c'est. Voilà, ça, ça doit dater de quoi, des années. Euh, des années je ne sais plus. Les années 30 Non, c'est plus récent, je crois. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, je vous conseille ce livre. C'est bien écrit, c'est intelligent, c'est euh, cette époque, euh, c'est cette génération d'historiens euh, qui engendrait engendré le Fèvre, les... après les Brodels. Brodels, je crois que c'était encore après, mais c'est les... Henri Pirène, tout ça, c'est cette époque-là. Et donc, c'est euh, remarquable. D'ailleurs, je vous conseille aussi, rien à voir, je vous conseille de lire l'histoire de l'Europe d'Henri Pirène, qui est également un chef-d'œuvre. Merci. Euh, on remercie Denis G4 pour son don euh, et donc sa question. Euh... Merci. À la fin de la guerre, est-ce que la Russie va être intégrée à l'Occident ou bien toujours considérée comme un pays barbare comme la Macédoine euh, ben alors non, je pense qu'elle sera intégrée. Ben, vous savez, le, 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 la Macédoine a été intégrée à la, à la Grèce en grande partie. D'ailleurs, la Grèce d'aujourd'hui comporte une grande partie du territoire de ce qui était la Macédoine antique. Vous avez une partie au nord qui est, qui, est, qui est indépendante et qui prend le nom de Macédoine, mais en soi c'est disputé. Ils se disputent le nom. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser que la prochaine émission de lundi devrait être consacrée aux au Balkans. À la poudrière des Balkans et à, et à ce qui s'y euh, passe et à la place que ça pourra avoir dans le, le conflit à venir. Euh, mais donc, euh, donc, je pense que la, la Russie, et surtout le fait qu'elle sera probablement détachée, je l'ai déjà dit, puisqu'elle sera démembrée de ses provinces les plus orientales, elle sera poussée en, en plus à se rapprocher encore plus de, de, de l'Europe. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, euh, oui. Alors, après, est-ce qu'il n'y aura pas une petite distinction à faire entre Occident et et européanité à ce moment-là, on peut se poser la question aussi. Je me suis fait call-out parce qu'apparemment j'esquive les questions, donc je la pose. <laughs> euh, les, donc, question de Bam Bam Boum Boum. Euh, les peuples ayant tendance à se mélanger, y aura-t-il une baisse significative des individus exprimant des allèles récessifs, cheveux blonds, yeux bleus ouverts, dans les siècles qui suivent euh, Alors, on peut le. On... On peut le supposer, mais, mais, mais tout dépend parce que tout dépend de ce que donneront, euh, tout dépend de ce que donnera le nouveau Moyen Âge. À quel point les populations seront à nouveau compartimentées, parce que ça peut avoir un effet, euh, euh, ça peut recréer des types relativement locaux. Euh, euh, et puis euh, et puis par la suite, euh, à échelle plus longue. Vu que j'envisage une, une colonisation de l'espace, euh, vraisemblablement, le, 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 ces, ces différenciations seront peut-être même encore plus importantes. Euh, dans le cadre d'une colonisation spatiale. Euh, après, est-ce que ça veut dire que les, 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 les gènes récessifs tels qu'ils sont euh, aujourd'hui, qu'on connaît le plus, effectivement, les yeux bleus, cheveux blancs, etc., euh, ne disparaîtront pas euh, C'est pas sûr. Ça peut vouloir dire qu'il y a d'autres caractères qui apparaissent mais qui disparaîtront pas. Mais. Euh... Je ne sais pas d'ailleurs si, si c'est une impression qu'on a juste parce que c'est récessif, ça disparaît. Est-ce qu'en tendance, on constate qu'effectivement ça disparaît Je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus. Voilà, tout ce que je peux dire dessus. Je ne suis pas un grand spécialiste de la question. Alors, euh, peut-on considérer que le capitalisme libre-échangiste et le socialisme démocratique sont les deux faces d'une même entité au vu de la convergence de ces idées chez les élites mondialistes euh, ça peut être, oui, de, de, des façons, euh, des tendances au sein d'un mouvement qui, globalement, est le même, oui. Euh, dans l'idée du, 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 euh, du, du, du… Oui, il ça, 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 y a cette proximité. De, le, 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 si vous voulez, le, le truc, c'est qu'il y a véritablement, dans l'idée de Saint-Simon, une élite économique qui est consciente de sa valeur, Consciente. Euh, donc, c'est pour ça que souvent on parle de lui comme d'un socialiste. C'est vrai dans le sens où il y a une vision de l'organisation sociale, mais c'est vrai aussi que l'importance qu'il donne aux entrepreneurs à leur rôle moteur et à ce qui doit être du coup leur rôle euh, directeur dans la société n'a rien à envier aux discours libéraux les plus, euh, les plus extrêmes. Euh, euh, en disant que, en gros, il ne doit pas y avoir d'État et que tout le pouvoir doit être aux mains des grands entrepreneurs. Si vous, si vous allez, c est, c est, ça peut être vu comme quelque chose qui anarcho capitalisto compatible, si vous voulez. Euh, donc en fait, il y a véritablement les deux faces. Dans, euh, il y a le côté euh, socialisme et le côté véritablement... Euh, donc en soi, dès le départ, si vous voulez, le Saint-Simonisme est effectivement déjà un peu syncrétique. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver une, une compatibilité dans les deux euh, chez, les, chez les élites. Euh, productives. Et quand, je n'ai pas parlé ça, mais quand Saint-Simon parle des élites productives, il inclut dedans aussi euh, les artistes, euh, etc. Et donc tout ce qu'on a, le, je veux dire, le, le rôle euh, insensé, euh, inédit historiquement de, des artistes dans euh, le, la fabrique euh, de la politique euh, mondiale, euh, je pense à l'engagement notamment des stars hollywoodiennes sur les questions euh, de changement climatique, etc. Euh, tout ça, c'est extrêmement euh, industrialiste dans l'idée. Euh, les choses cachées demandent un lien avec Einrand. Euh, je ne je... Je, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Einrand... Euh... Je pense qu'elle ne renierait pas le, le rôle moteur que donne Saint-Simon aux élites créatrices, hein, justement, puisque l'idée de la grève, euh, c'est que, euh, justement, du jour au lendemain, ou quasiment, il y a de plus en plus de grands entrepreneurs, etc., qui disparaissent parce qu'ils se mettent en grève. Euh, et donc, là, 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 en gros, le, le, la société euh, s'effondre. Euh, et le. Et elles se mettent en grève justement pour montrer à la société qui est de plus en plus socialisante, de plus en plus étatisée, que sans eux, elle ne tient pas debout. Et ça, finalement, c'est tout à fait proche de cet extrait que je citais tout à l'heure, enfin euh, que je mentionnais de Saint-Simon où il dit que si les plus grands euh, créateurs, euh, entrepreneurs, euh, artisans euh, disparaissent, euh, ça coûte énormément à la société, alors que si ces plus grands administrateurs disparaissent, pas du tout. Euh, quelque part là-dessus, il y a un point de, 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 de convergence totale entre, entre la pensée, le fond de la pensée de Saint-Simon et Ayn Rand, ce qui est encore une fois euh, euh, n'est ah, pas paradoxal, mais, mais, mais vous montre qu'il y a quand même une. Ça, ça montre la complexité de cette pensée, euh, parce que Ayn Rand, c'est l'idole des libertariens américains, des anarcho-capitalistes, euh, alors que. Euh, euh alors qu'on retrouve la même chose effectivement chez, euh, chez Saint-Simon, qui, encore une fois, est à son nom sur un mouvement à Moscou comme précurseur du marxisme-léninisme. Donc euh, hein, c'est courant de ce qu'on appelle le socialisme utopique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement intéressant. Ça. Euh, Samuel Antoine, comment M. Fabry explique-t-il l'alliance entre les communistes et les démocraties libérales contre le socialisme fasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, ben, il euh, y a une, une, une part essentielle d'opportunité, déjà. Euh, je pense que c'est même le principal, c'est l'opportunité. C'est que les fascistes ont attaqué. Euh, si, euh, vous savez, c'est mon idée que euh, Staline et Hitler étaient deux impérialistes revanchards qui se sont rentrés dedans. Euh, si c'était Staline qui avait attaqué le premier, qu'il avait envahi l'Allemagne d'un coup, bon, il n'aurait il aurait probablement pas avancé aussi loin que… En fait, il aurait pu arriver jusqu'à Berlin, par exemple, euh, jusque devant Berlin. Et donc, si euh, l'Allemagne euh, hitlérienne avait été en position défensive face à une invasion euh, communiste, euh, il n'est pas du tout invraisemblable, euh, il est même très plausible, que la France et l'Angleterre se seraient portés au secours des fascistes, pour repousser, euh, repousser l'envahisseur par peur du, du, du communisme. Euh, ça serait même cohérent avec la politique, ce qui était la politique, euh, la politique britannique depuis le 19e siècle, euh, avec la guerre de Crimée notamment, qui était éviter que le continent ne tombe aux mains des Russes. Euh, et c'est aussi pour ça qu'ils avaient laissé se mettre en place l'empire euh, allemand parce que ça faisait un, un contrepoids important à une éventuelle domination russe et ça évitait aux anglais d'avoir à trop se, se, se mobiliser en Europe de l'Est euh, donc euh, si on était retrouvé dans cette configuration je pense que c'est ça qui se serait passé et que l'issue du conflit ça aurait été que euh, les armées occidentales et notamment euh, allemandes serait arrivé jusqu'à Moscou, aurait gagné la guerre, aurait battu les soviétiques, et que ce territoire aurait été essentiellement en raison de la configuration géographique tenue par les Allemands derrière. Et donc en fait, on aurait vraisemblablement eu une guerre froide entre un empire nazi et de l'autre côté les Français, les Anglais et les Américains. Donc en fait, ça aurait été à peu près pareil, mais dans l'autre sens, si vous voulez. Je suis, je suis assez convaincu que c'est ça qui se serait passé. Mais que c'est une idée de celui qui a commencé, tout simplement. Enfin, D'une part, celui qui a commencé, et d'autre part, le fait qu'en plus, il euh, y avait euh, le, le problème de la perception de la menace depuis longtemps euh, par la France qui la faisait pencher en ce sens-là. Mais je pense que si, euh, si, euh, si l'Allemagne avait été attaquée avec la même force qu'elle a attaqué plus tard l'Union Soviétique, et qu'elle avait dû reculer, euh, parce que simplement avoir l'initiative, vu, euh, vu ce qu'était le, le, le système de guerre, c'est-à-dire le, 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 le couple aviation-char à l'époque, euh, celui qui est sur ses positions pour attaquer et qui attaque le premier a un avantage forcément décisif sur l'autre au début du conflit, donc ils auraient pu avancer assez fortement. Je, je, je reste sur cette idée effectivement que la France et l'Angleterre, surtout l'Angleterre en fait, aurait poussé la France à le faire parce que ça aurait été la, dans la continuité de la stratégie anglaise. Aura, ce serait allié avec les, les Allemands pour pour empêcher pour empêcher l'Europe de tomber passer sous contrôle sous contrôle russe. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas être élu ou comment il pourrait accepter de ne pas être élu. Je Attends, rappelle... Philippe, pardon, je ne m'étais pas démuté. <laughs> Excuse-moi. Ah. Je viens de poser la question de Zach, en fait, qui demande que se passerait-il si Erdogan n'était pas réélu en fin d'année, et si la guerre n'a pas commencé avant, bien sûr, est-ce que ça remettra en cause le cycle de l'impérialiste Romanchard en Turquie? <laughs> Merci. Euh, je... Alors ma réponse sera Erdogan n'admettra pas de ne pas être réélu. Je rappelle qu'Erdogan, c'est celui qui a dit la démocratie, c'est comme un autobus. Une fois qu'on est arrivé à destination, on descend. Euh, donc, euh, euh, la, la Turquie est descendue de, de l'autobus démocratique depuis que Erdogan est là. En particulier depuis le coup d'État raté de 2016. Donc, euh, il sera là, il sera réélu. C'est comme si vous demandiez si Poutine n'est pas réélu. Bien sûr, il sera réélu. L'important, ce n'est pas le nombre de votes, c'est comment on compte les votes, encore une fois, comme disait Staline. Donc, euh, à mon avis, la question ne se pose même pas. Merci. Euh... Question de Fistule. Est-ce que vous arrivez à penser contre vous et votre esprit de système pour vos travaux ben, euh, J'essaye. Euh, je pense que j'y arrive assez fréquemment parce que j'ai laissé tomber pas mal d'idées en cours de route. Et c'est souvent parce que je euh, n'arrivais pas à en articuler certaines que j'ai fait mes meilleures avancées. Justement en essayant de résoudre des contradictions. Euh... Après, moi, vous savez, souvent, euh... ah, j'ai souvent entendu ça, surtout de la part des youtubeurs qui font des, 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 des vidéos sur la science, vous savez, sur les scientifiques, qui expliquent qu'un scientifique, quand il a une théorie, il ne cherche pas à prouver sa théorie, il va chercher à prouver que sa théorie est fausse. Pour euh, voir. C'est tout à fait faux. Enfin, personne ne fait ça. Les gens, quand vous pensez avoir une idée, vous cherchez à la vérifier. Et donc, euh, ce, que vous, ce que ce que ce faut pas faire, c'est ne chercher que ce qui va dans votre sens et, et, et ignorer les éléments qui vous apparaissent qui sont en contradiction. Au contraire, euh, ça c'est pas bon. Par contre, vous ne passez pas votre temps à chercher des éléments qui contredisent votre théorie. C'est pas ça le truc. Euh, je veux dire, personne ne fait comme ça. Euh, ceux qui sont censés apporter chercher les éléments qui vous contredisent, euh, ce sont vos contradicteurs. Euh... Voilà, par nature, vous êtes embarqué dans votre propre pensée. Il faut faire en sorte de ne pas être aveuglé et d'être capable de voir les incohérences. Encore une fois, parce que c'est dans votre intérêt, ça renforce une théorie d'arriver à voir les contradictions. Euh, et puis ça peut permettre de, de, de voir des choses, de conceptualiser des choses en arrière-plan euh, qui n'étaient pas euh, formulées. Hein. Ceux qui auront lu ma structure de l'histoire verront que je le fais à plusieurs reprises là-dedans, hein, en essayant de se poser la question, mais pourquoi il y a ça On ne devrait pas voir ça si, mais c'est à ce moment-là qu'on qu qu décèle. Le, le le mouvement de fond et la vraie la vraie loi sous-jacente euh, euh, après une fois que vous avez pensé c'est euh, je veux dire c'est c'est euh, si si vous s'il n'y a rien qui vous vient contre vous euh, euh, allez chercher il faut pas que ça devienne une 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 espèce de névrose comprenez ce que je veux dire euh, pour moi c'est pas nécessaire de, de, de ces idées de penser contre soi-même et tout c'est des trucs très de, de philosophe ça, ça, ça chatouille beaucoup mais non il faut être lucide quand vous voyez des choses qui collent pas euh, ne pas se voiler la face sur les failles que peuvent avoir votre théorie ça oui euh, mais après on peut pas chercher euh, à dire ah je vais me donner tort euh, c'est toujours honnêtement je vois pas comment c'est faisable hein, et puis c'est pas c'est pas euh, c'est effectivement pas un réflexe. Mais c'est pas parce que c'est pas un réflexe qu'on cherche pas à se donner tort que forcément on s'embringue dans un truc où on a tort. Je que... sais pas si ma réponse est très claire, hein. je fatigue un peu. Mais, euh... mais voilà. Pas de souci, il ne reste que 122 questions. Donc euh, ah. on va y arriver tranquille. Non mais déjà, deux petites réactions. Euh... Jacques le Fataliste, la Macédoine a terminé le game de la salade et ça personne ne le reconnaît. C'est toi, Jacques le fataliste, en fait. Non, hein mais tu sais que là, a... il <laughs> y a deux mecs qui ont fait des blagues. Je pense que je vais finir par me créer des comptes alternatifs et euh, balancer des blagues dans le chat. Ouais, euh... Tu fais école. Et, ouais, ouais. et parce qu'il y a aussi quelqu'un qui dit derrière, euh... si je trouve son message. Euh... Merde, il est plus haut, en fait. Il est là. Langter Loseworth. Pas sympa d'éviter mes questions, Léo. Je vois bien que sous prétexte que je n'en pose pas, tu ne prends pas la peine de les lire. <laughs> J'aime j'adore ce Moi genre de moment absurde. ça me fait penser à dagon dans Camelot. Euh, c'est pas parce que attends, c'est quoi déjà C'est pas parce que vous faites des quiches euh, c'est pas parce des que vous faites des tartes pour des petits enfants qui n'existent <laughs> pas, pas que je dois quoi. les amener à la pêche. C'est ça. <rire> <rire> euh, alors ça on a passé cette question-là. Euh, si le prochain Moyen si le prochain Moyen Âge nous sort enfin, est-ce que ce serait possible que le prochain Moyen-Âge nous sorte de l'âge industriel et donc foutant en l'air l'idéologie saint-simonienne pour de bon Ah ben par définition, oui. Un prochain Moyen-Âge, c'est un retour à un ordre féodal. Donc un ordre féodal, ça, ça, ça produira une idéologie euh, d'ordre féodal, hein, qui était la même chose qu'on trouvait chez... Euh chez les, les, les élites, euh, les élites des temps héroïques grecs euh, et euh, de, de, de la, on va dire de l'époque euh, des, des, des âges obscurs grecs euh, et, euh, et de la chevalerie à notre époque, c'est-à-dire un truc qui est centré sur euh, euh, la prouesse guerrière, euh, le mode de vie noble euh, qui était à l'époque la chasse, etc. Aujourd'hui, qui serait euh, loisir ou ce genre de choses. Euh, voilà. Je répondais dans le chat à The Corvald qui nous demande si tes livres existent en version papier. Donc j'ai dit oui. <laughs> j'ai dit qu'il y a les liens dans la description et qu'on est en train de rééditer les trois autres. Voilà. Mais et on peut même en trouver en dédicace en demandant par mail. Mais je crois que tout ça, ah. c'est dans la description. Oui. Euh... Alors attends, il y avait une autre question. Donc ça, tu as répondu très bien. Euh... Beaucoup... Il y a eu beaucoup de réactions sur la citation d'Erdogan qui a beaucoup plu. <laughs> euh... <laughs> est-ce qu'un nouveau mouvement religieux messianique pourrait-il voir le jour Non, est-ce qu'un nouveau mouvement religieux messianique ou pas pourrait-il voir le jour ah, ben ça, ça peut toujours arriver, oui. Euh, déjà, il y en aura d'autres qui, euh, qui naîtront de l'effondrement de l'Empire américain, puisque je renvoie à la grande émission que j'avais faite sur le, les monothéismes politiques, euh, sur les civilisations C, mais surtout dedans sur la notion sur les monothéismes politiques. Je crois qu'elle est isolée d'ailleurs dans les, dans les vidéos de la chaîne. <coughs> Et, euh, et, euh, et donc ce genre de d'idéologie apparaît dans les temps de crise, de perte de repères. C'est notamment un, un instrument de, 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 de remise en ordre sociale qui, qui, qui émerge assez spontanément dans ce genre de, dans ce genre de situation. Écoute, il euh, n'y a plus de questions. Ah ben écoute, tant mieux, parce que je... Parce qu'en fait, c'était un hologramme qui parlait, Faip est déjà parti se coucher il y a une heure. <laughs> C'est ça. Non, mais parce que, écoute, nous sommes à l'heure où on arrête d'habitude, et s'il n'y a plus de questions, ça veut dire que on est totalement en raccord avec notre public, et ça, je trouve ça bon, après, après une douzaine d'émissions, d'être autant sur la même longueur d'onde. Donc, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous redire de ne oublier de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore de me suivre sur twitter parce que, il y a aussi souvent, je publie des choses auxquelles je fais référence ensuite dans les vidéos. Ça peut être des cartes, ça peut être des, des articles de presse, etc. Donc, ça peut être intéressant si vous avez vu la doc avant. Ça peut enrichir votre réflexion aussi. Ça peut vous pousser à poser d'autres questions qui nourrissent également les émissions. Nous ferons donc une prochaine émission lundi qui sera vrais, vraisemblablement consacrée, je disais, euh, à, à la nouvelle poudrière des Balkans ou au retour de la poudrière des Balkans. Euh, voilà, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez nous soutenir. Euh, à... Commander les livres si ça vous fait plaisir, à laisser un petit commentaire sur Amazon si vous les avez achetés, si vous les avez lus et s'ils vous ont plu, ça nous fera plaisir. Et surtout que j'aime bien les repartager ensuite, ça me, fait, ça me fait toujours chaud au cœur. Et merci à ceux qui ont commandé les livres et qui en plus me laissent toujours un, un gentil message sur la boîte mail, ça m'encourage et ça me fait chaud au cœur aussi. Voilà. Et je, je, on peut très rapidement dire, puisqu'il y a une petite question qui s'est rajoutée, et c'est une question de team. « Quelle est la spécialité de Léo Portal et en quoi a-t-il contribué au dernier livre ?» On peut dire que c'est écrit dans le livre et même sur Amazon, il y a la biographie. Oui. Mais c'est surtout de la science politique, en fait, ma spécialité. Tout à fait. Voilà. Euh, et j'ai contribué sur des questions de science politique et de méthodologie. Voilà. Et de, de littérature review, très important. En science politique. Pour ça que, ouais, en science je... politique, ouais. ouais. Bon. Euh... Et en blague. Mais lui, il m'est déjà parlé blague, donc Voilà. Ça. Bon, et merci beaucoup. Je trouve, que, et je trouve que, franchement, cette semaine sous Covid, on l'a, bien tenue en fait. Ouais, ça va. Je, dites-le-nous en commentaire, hein, ça aidera au référencement de la vidéo. Et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.